Messieurs, dames, bonsoir, bonjour à toutes et à tous, ici Draken. Hop, nous sommes sur Ivasson Studio. Bien le bonjour, bonjour à tous. On se retrouve ce soir pour continuer notre aventure sur BioShock Infinite, jeu de 2K Games. Et nous allons continuer notre petite aventure avec Booker DeWitt, mais également la jeune Elisabeth. Et je vais vous montrer le jeu. Donc pendant ce temps-là, il y avait le petit spot de pub du jeu. Hop, allez, montre-toi. Du coup, on était arrêté la dernière fois. Donc on avait récupéré la première dame et on avait traversé plusieurs mondes parallèles pour notre chère Daisy Fitzroy qu'elle récupère ses armes. Sauf que dans ce monde-là, nous, jeunes Booker DeWitt, étions morts en martyrs pour la Révolution. Donc on est toujours dans ce monde ici et notre mission, du coup, c'est d'arrêter Songbird pour pouvoir partir. Le seul moyen d'arrêter Songbird, c'est de retrouver Comstock, puisque c'est lui qui l'a créé. Du coup, voilà, je vais voir. Pendant ce temps-là, la Vox Populi a attaqué, bien Regardez, évidemment, la Columbia. Vox Populi est en train de tout saccager. Parce que c'est la révolution, carrément. Et notre mission à nous. C'est donc je prends un peu, je vais me balader dans le tram. Donc là on est à la Vox Populi, bon, pour nous, mais également comment ça s'appelle? On a la Vox. Ah oui, je suis le genre de petit tram, ça me donne Allez, un petit tour de tram. Booker, alors grenade! Oh oui, t'inquiète pas. Hop! Normalement, il peut pas péter le tram. Hop! Si je dis pas de bêtises, normalement je vais refaire demi-tour en 51 et je vais quitter. Évidemment. Ok, mort. Ah, je crois que. Oui, voilà, je crois que c'est soit tuer des gens ou une femme. On n'a pas le temps. Elisabeth. Allez, fais. Donc Elisabeth, bien sûr, a toujours ses, des munitions. Hop, ses pouvoirs pour. Monsieur Bob, je ne sais pas du tout cette chose. Allez, c'est bon, c'est aïe. Et voilà. Aïe, 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 aïe. Allez, laisse-moi. Ok, oui, il y a un combo. Oula, on va prendre le baiser du diable. Le diable. Voilà pour vous. Merci. Aïe. Voilà. Allez. Il y a déjà un mort. On a un tour. Désolé, Elisabeth. Très frayeur. Blondie Man, c'est... celui qui est le plus chiant pour le. Hop! Je dans ta tente, ça va faire. Alors! Si vous touchez 50% des ennemis proches,
Et on a... J'ai pas fait de l'armée, par contre. Donc là, on est à la maison, la banque du prophète, je crois. Qu'on... Oui, il y a un bloc. Oui, regardez, il ressemble à ça. Ok. Donc ça, c'est la tête de Booker DeWitt. Le modèle. Pas mal, hein. Alors, est-ce que je peux encore acheter des améliorations? La largeur du coup, ça je vois bien. Faucheur et augmente le nombre d'effets. Oui. Oh, retour à l'envoyeur. Augmente la durée du bouclier lorsque vous appuyez. Ah, je l'ai pas encore celui-là. Observer et récupérer les munitions. La raison lorsque vous appuyez des mini de cristaux. Ah oui, ben, c'est un nouveau bouclier aussi. Un nouveau tonique. Le tonicement dure plus longtemps. Il faudrait 500 balles. Vous préférez tonique mort ou la recevoir? Tenez, gardez ça. S'il te plaît. Oh, bah c'est parfait. Hop, du mal d'électrochoc. Augmenté. Alors. C'est par là qu'on va aller. Je vais aller par là, je vais aller à la banque. À la banque de Columbia. Donc, il y a de plus en plus de failles que Elisabeth peut. Tu crois que tu pourrais m'ouvrir ce truc? Laissez-moi voir ça. Ouvrir. Super. Merci. Banque du prophète. Allez, regardons le petit kinétoscope. Ah oui, c'est une inauguration de Columbia. Il reste un ennemi qui se cache. C'est le cœur qu'on était dans le film. Alors, qui n'a rien fait. L'Amérique a désavoué comme stock. Sans sécession de cette prétendue union. Mais là, je ne crois pas y arriver, c'est plus belle ville. Et voilà, c'est ça, la famille de Columbia. Elle a fait sécession. C'est pas très bien. Bah, c'est fermé, mais c'est. Sûrement pour plus tard. Pas demi-tour, du coup. Nous devons aller chez Comstock, Booker. Je sais. Ressortons d'ici. Allons chez Comstock. À époque dangereuse, mesure dangereuse. Protégez vos femmes et votre maquille. Tu peux jeter un coup d'œil? Donc la robe également, à la boutique. J'ai précisé, mais ce la que tu m'as demandé de faire, évitons de parler de ça. Est-ce que cette sauce t'a fait du mal? Dit comme si jamais elle me rattrape, c'est la mort, Monsieur DeWitt. Ça y ressemble, mais je ne vois pas la différence. Parce qu'elle préfère mourir que de se faire encore enfermer. Alors, je pense que nous sommes ici. La banque du prophète, là, il faut traverser tout ici pour aller à la ville, de Coste. Huh.
Ouais, du coup, oui, c'est ça, retour à l'envoyeur. Je débloque ici. Alors, retour to the sender. Press to generate a magnetic shield. Hold to absorb damage and release to throw it back. Hold and release to create an explosive trap. D'accord, appuyez sur A pour placer un bouclier magnétique devant vous. Maintenez A pour porter le bouclier devant vous. Tenir le bouclier consomme des cristaux. Recherchez le bouclier. Relâchez le bouclier. Pour... Du coup, il m'a mis. Il faut trouver de l'argent. Attends. Vous voulez ? Oui, s'il te plaît. On coupe le pain. Alors, déferlant optimisé. Ouais. Ah, par contre, ouais. Est-ce que j'améliore d'autres améliorations ? Je suis comme stock. Tu vas prier pour mourir. Un tireur d'élite. À terre. Les forts. Dieu. Oui, je peux le faire. Il n'y a plus rien. Voilà. Aïe. Oh, je l'ai pas vu. Mais... Des munitions, prenez-les. Ouais, j'aurais pu prendre le fusil à pour fusil. Hop, c'est un fusil. Fermé. Elisabeth. Laissez-moi inspecter. Oui, s'il te plaît. C'est fait. Alors, on est où? Le tour d'Emporia. Ah mais du coup quand je l'ai tué électricité il ne... On a un truc ou quoi? Désolé, tu peux crocher certaines fois pour dire où il est. Je sais. Et... Ouais, ça va quoi. Je suppose. Oh, c'est plus tard. Ok. Alors, ici. Tu peux déverrouiller ça? J'y vais. Directeur local, maintenant. Voilà. C'est tout? C'est nul. Allez, on continue. Bon, je suis comme ça. L'autre, ça y va pas de main. Let's go to the police.
C'est parfait. Mais bien, monsieur, vous ne vous avez pas vu. Connaissez-vous le nom du prophète? Comme stacker, puisque c'est l'air pensable. Allez, c'est fermé. Ça, s'il te plaît. Elisabeth, ça me semble assez simple. C'est prêt. Alors, on est chez qui maintenant? Vous avez temporairement lorsque vous récupérez de la santé avec un encas ou un kit de soins contre. Oh, ça c'est pratique ça. Ils sont tous contre les Comstock. Voilà, Comstock elle est morte. Alors, Voxophone, qui nous dit Comstock? Devant tous les hommes, le sergent m'a regardé et a dit: ton arbre généalogique abrite un tipi ou deux, pas vrai mon garçon? Ce mensonge, cette calomnie m'a poursuivi. Ma vie, à compter de ce jour, plus personne ne... Alors, allez, on prend les corbeaux. M'a appelé camarade. Il a fallu que je brûle des tipis et les femmes qui s'y cachaient pour qu'ils me considèrent comme l'un des leurs. Seul le sang peut racheter le sang. En effet, Zachary. Vous savez, je repense beaucoup à votre rêve. New York en flamme. Quelque chose m'intrigue. Alors là... C'est moi du tout. Tenez, gardez ça. Voilà, du coup, j'ai récupéré de l'argent qui devient invincible. On va garder cela. Est-ce que je peux encore acheter un truc amélioré? Au moment, non. La ville. La maison de Comstock est droit devant. Comstock. Bien gardé, la maison de Comstock. Comme. Madame Comstock, quel plaisir de vous voir. C'est aimable à vous de nous rendre visite. Surtout après votre mort tragique et cruelle, voilà 19 ans. Tu m'étonnes. Madame Comstock. Ma robe. Cette machine me confond avec ma mère. Vos empreintes n'ont pas l'air d'être tout à fait à leur place, Madame Comstock. Seriez-vous souffrante? Ça ne marchera pas comme ça. Moi, je crois que si. Ta mère est morte, Elisabeth. Oui. Et il est temps d'aller me recueillir. Essayons de trouver sa tombe. Allez, trouvons le tombeau de Madame Comstock. Qui est au jardin mémorial. Je crois qu'ici on va même aller dans les appartements des vitesses. Oh. Fermé. Elisabeth? Ça a l'air assez facile. Oui, Elisabeth. Super. Et sous. Voilà le cimetière où ma mère est enterrée. Allez. Où est-ce que tu vas? Venez. Tu peux me dire ce qu'on cherche? À vos ordres. Bon, je viens. Nous y sommes. Voilà où est enterrée Madame Comstock.
Si, ça. Quoi, il y a le test vitesse. Oui, il tombe des vitesses. Ah, du coup, déjà, il y a une serrure. Ouvre-la. Compris. La tombe de ta mère. Elle est conservée dans une chambre hermétique. Ses empreintes nous permettront d'entrer chez Comstock. Mais c'est ta mère. Une mère qui abandonne son enfant ne mérite pas énormément de compassion. Prends le temps de réfléchir à ce que tu dis. Voilà. Vous allez ouvrir la porte ou vous préférez que j'y aille sans vous? Elisabeth. C'est elle. Comment allez-vous, mère? Vous êtes bien sous clé? Finalement, nous avons au moins ça en commun, toutes les deux. Laisse-moi faire. Non. Laisse-moi faire. S'il te plaît. C'est un piège! Tais-toi, petite. Tu as suivi un faux berger. Il n'a fait que te perdre. Ah, tout ce que je fais, c'est par amour. Quel vivant n'y va pas défendre sa progéniture? Et qui aime bien, choisit bien. Si tu refuses de l'écouter, peut-être écouteras-tu ta mère. Bonjour, madame Comstock. Vous avez l'air pas très bien. Elisabeth, est-ce que tout va bien? Où est-elle passée? Tiens le coup, il faut que tu te reposes un peu. Non, j'obtiendrai cette main. Elisabeth, pourquoi ta mère est un fantôme? Non, c'est lui. Il s'est servi de moi pour alimenter cette machine. Il a ouvert une sorte de faille. J'ai l'impression que ta mère ressuscite les morts. Pour retirer cette vie de mon cœur. On ressuscite les morts, on attaque. Oui, carrément. C'est là que je suis perdu dessus, mais moi je ne fais rien. Bonjour monsieur. Je me fais où la voix de Dieu? Ah, mais je suis perdu. Moi, qu'est-ce que je suis? Ils creusent leur propre tombe. C'est elle la source de mon pouvoir? Mais qu'est-ce qu'elle est? Vivante ou morte? Pourquoi toujours des quoi? Quand la question qui compte est quand? La seule différence entre le passé et le présent, c'est la sémantique. Vie, vécu, vivra. Meurt, mort, mourra. Si nous percevions la vraie valeur du temps, qu'est-ce qui pousserait encore les grammairiens à sortir de leur lit? Comme nous tous, Madame Comstock transcende le temps. Elle est aussi morte que vivante. Elle sait être les deux. Et cette dualité ne lui est pas agréable. La perception sans compréhension est une association dangereuse. Regardez! Des pas. Elle a quelques comptes à régler. Il faut qu'on la suive, qu'on lui fasse ouvrir la porte de la maison de Comstock. Et là, regardez, hop, disparition. Bah, du coup, j'ai bête, t'as bugué.
pas les peurs. Quel dommage que vous ayez besoin d'elle pour entrer chez Comstock. Honnêtement, elle n'a pas l'air prête à coopérer. Il y a moyen de lui faire entendre raison. Vous devez d'abord découvrir trois réalités. Toutes les trois détruites par Comstock dans ce monde. Si seulement l'un de vous deux savait contrôler l'espace-temps. Ce serait tellement pratique, oui. N'est-ce pas? Alors, il faut trouver trois sphères. Sarcastique, c'est de là. Madame Comstock a quelque chose d'étrange. Ouais, j'avais remarqué. Non, vous ne comprenez pas. Elle n'a rien à faire ici. J'ai ramené quelque chose, mais je ne crois pas que ce soit elle. Alors... Marqué district. Pour le moment, plus un peu fou. Société à la poche. Alors. Alors, première danger. Est-ce que tu pourrais faire ton truc là pour ouvrir? Ça me semble assez simple. Risk of death. Et voilà. Ah bah oui, on est chez le laboratoire de Lutèce. Les deux personnes que nous avons rencontrées tout à l'heure. Alors, on va d'abord aller plus là. Beaucoup de machines. Ah, c'est pas encore ouvert. Machine des vitesses. Hop, infusion. On va prendre l'infusion en plus. Parfait. Rosaline. Comstock a saboté notre engin. Et pourtant, nous ne sommes pas morts. J'ai une théorie. Nous sommes dispersés à travers l'espace infini des possibles. Mais mon frère et moi sommes réunis, et je m'en réjouis. Lui, moi, nous n'avons pas résolu le problème de la fille. Mais peut-être que quelqu'un pourra le résoudre pour nous. Alors... C'est bien grand chez eux. C'est une faille. Je vois quelque chose. Vous voulez que je l'ouvre ? Oui, attendez, on va déjà récupérer de la zone. Déjà l'oxophone, intéressant. Comstock est, semble-t-il, devenu stérile par simple exposition à notre engin. Une théorie, si la reproduction sexuelle atténue les caractéristiques de chaque parent, de multiples réalités ont le même effet sur la nôtre. Vos traits s'estompent jusqu'à s'effacer ou disparaître complètement. Donc, Elisabeth ne peut pas être sa fille. Je vous assure, madame, je porte un intérêt asexué à votre cher prophète. Et madame Lutèce? Qui plus est, ce pauvre homme est stérile. Vous mentez! Venez récupérer votre engeance! Je veux qu'elle quitte ma demeure! Stérile? Je ne suis pas leur fille. Hein? Alors qu'est-ce que tu es? Un enfant qu'ils ont choisi d'emprisonner. Elle a mérité ce que lui a fait Comstock. Que l'enfant est le produit de notre petit engin. Mais qu'est-ce que tu voulais dire par « Madame Comstock n'a rien à faire ici » ? Elle est presque... animale. C'est comme voir un reflet de... Je ne sais pas. Alors... Donc déjà, on sait qu'Elisabeth n'est pas la fille de Comstock. Qu'il est stérile. Contentez-vous d'écouter tout ce que je dis. J'ai trouvé de l'argent. Attrapez. Une dame qui est morte, qui est bloquée dans le temps, là. Il y a rien que je peux améliorer, peut-être. Parce que ça, c'est les armes de la boxe. J'ai vu les signes. Je sais ce qui se passe. Alors,
plutôt à envoyer. Oui, prendre. Les porcs vont crier. Laissez-vous mourir. Aïe. Aïe, aïe. Il a pété trop vite. C'est bien, c'est qu'il me redonne de la vie. Petit pistolet. Maintenant, on est prêt. On est derrière la porte. C'est fermé. Elisabeth. Un jeu d'enfant. Super. Ok. On est retourné à la banque. Pas de pitié. Vache. C'est vrai que c'est les copains de Nicolas, c'est les adorateurs. Qu'est-ce que cet endroit a à voir avec ma mère? Allez, allons dans la banque. Alors, je ne peux pas dire. Revenez me voir quand vous aurez de quoi payer, l'ami. Alors. Allez, allez, on va défoncer les mecs. Ouais, c'est vrai qu'on se met dessus, on récupère des pistons en plus. Voilà. Voilà. Les traces semblent mener jusqu'au coffre. Ils sont les mecs pour la bagarre. Attends, parce que si on est à la banque, il y a des sous. Bah ouais. Alors, la vitesse sur le général Lanzard diminue de 30% contre... Ah non, non, non. La vulnérabilité. Comment ça ? 50% de tous leurs revenus sont versés à Comstock sous forme de taxes. Je ferais peut-être bien de me mettre à mon compte comme prophète. Tu m'étonnes, c'est 50% de tous les revenus de Columbia. Booker, là. Il y a un code écrit sur ce papier. Le tailleur Hudson. Le codex se trouve peut-être ici. Trouver le codex. Est-ce que j'ai un codex quelque part ? Ah, c'était le tailleur. Oh. J'ai trouvé de l'argent. Vous le voulez ? Alors... Ouais, viens, 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 je te défonce. Arrêtez de cacher, mec. Je le vois ! Je vais abréger tes souffrances. Je cherche toujours. Allez. On est tout seul.
suis amassé, mais bon. Allez. Lorsque vous laissez échapper une arme, se transforme en ennemi fantomatique pendant quelques secondes. Lorsque vous laissez échapper une arme, on va prendre quand même. Alors la banque. Allez, t'es où là? Cache la mini boss. Joe, viens. Calotte de tes morts, je vais te tuer. Y a pas le codex quelque part ici? Et si je dois retourner au tailleur, bon. Allez, où la fête? Et si j'accepte de faire ça, tous leurs brevets seront sabotés? Absolument, monsieur Finnick. Pourquoi diable le prophète veut-il faire tuer ces gens? La même raison qui avait tué Madame Comstock. L'enfant. Et pourquoi veut-il que je m'en charge? Vous seul ferez passer ça pour un accident. Je ne crois pas que ce soit la vraie Madame Comstock. Je crois que... c'est un mélange entre... elle et les sentiments que j'ai à son égard. Comment ça? Je suis en colère. Entre elle et contre mon père. Je crois que c'est elle, mais aussi un peu moi. Je sais même pas qu'on pouvait tirer. Elisabeth? Franchement, vous n'avez rien de plus difficile. C'est prêt. Encore de l'argent. Donne-moi les sous. Bah du coup, si on passe devant le tailleur, bah attends. C'est juste les munitions, lui. C'est juste les munitions. Bon, enfin, quittons la zone. Bon, tant pis pour le codex. Hein. Il faut faire avec tout. On a déjà bien assez d'améliorations comme ça. Allez, trouvons le premier tailleur. Si on passe devant le tailleur. C'est vrai qu'ils sont là, eux. Non, ici. Ah ouais, du coup, comme je disais, tu ne sais pas. Qu'est-ce qu'on va améliorer? Allez, c'est les corbeaux. Et la charge, ça me... Allez, on va prendre une ferrante optimisée. Vous appelez ça un pistolet? C'est pas un pistolet, ça. Retournons à la maison du Comstock.
Et il y a plus de points. Dangereuse. Allez. Mesure dangereuse. Protégez vos femmes et votre bateau. Il n'y a pas le tailleur à côté ? Je crois que c'était le tailleur. Là. On peut voir sur le graphe. Ah, le canon là. Il y a des choses en bas. Oui, oui. Reversez-moi du... Vous entendez ? Coupe-lui là ! Je vois que ça profite. Le marchand de vin. Allez. Je vais voir ce que je peux faire. Allez-y. Mais vous êtes mort ? J'ai vu la photo de votre enterrement ? Oui. D'ailleurs, vous auriez pu vous appliquer. Qui pourrait croire que la photo d'un cadavre se révèle aussi peu vivante ? En effet. Oui, monsieur. Donc c'était Madame Lutèce. Tenez, de l'argent. Avec monsieur Lutèce. Toxophone, qu'est-ce que t'as dit ? C'est de la folie. Comment veux-tu prouver que monsieur Fink s'en est pris aux Lutèce ? Les Lutèce me l'ont dit. Les Lutèce ? Quand ? Hier ? Hier matin. Rupert, ils sont morts depuis 7 jours. Donc, Comstock a fait assassiner les Lutèce. C'est pas gentil tout ça. C'est pas gentil. Et il préférait voir mort ceux qui connaissaient la vérité. Je ne suis même pas sa fille. C'est juste un spécimen à étudier et disséquer. Non, c'est faux. Elisabeth, écoute-moi. Ce que tu as vécu, personne au monde ne mériterait ça. Booker. On va s'enfuir d'ici, c'est compris ? Et tu vas pouvoir oublier tout ça. Allez. On est où ? Rosaline, Lutèce n'est pas ma mère. Et vous non plus. Moi, j'ai pas vu, elle était là. Mais il vous a tués toutes les deux à cause de moi. Je sais que vous me détestez de ne pas être votre fille. Et je vous ai détesté de ne pas être ma mère. Elle chante. Corrigez mon compte ! Oh, attends. Venez-vous, madame. Il y a pas de temps pour se là. Alors... C'est un monstre, il n'y a rien à faire de lui. Alors, juste... Voilà. Allez, je vais pas donner de la vie. Je vous dois des excuses. Bon, madame, vous êtes... Comstock s'est servi de moi pour vous ramener, mais... J'ai ramené une version de vous, d'une réalité qui n'existait que dans mon esprit. Vous êtes un fou,
toujours fait semblant de vous aimer. Toutes les deux. Je ne suis pas une enfant de la honte. Je suis une victime. Mensonge, mensonge. Mais je ne me laisserai plus jamais taire. Nous devons me pardonner. Parce qu'il existe un être bien pire que moi. Le prophète, il m'a tué. Est-ce que vous menaciez de tout dire? Si c'est vrai, pourquoi je suis en vie? Vous ne l'êtes pas. Pas dans ce monde. Et cette version de vous existe peut-être dans un monde où vous ne le connaissez pas. Un monde où je l'ai sauvé? Je ne sais pas. Est-ce vraiment possible? Découvre-le, petite. Découvre-le. J'ai pété la porte ici. Ok. Ouais. Merci. Donc hop, même Comstock qui m'a envoyé. Allons chez Comstock. Maison de Comstock. J'ai une dette envers la fille. Si elle veut dire que je n'en veux pas les deux. Ah, je me souviens de ça. Ah, ah. Bonjour mon cher. Pas content. Aïe. Ah, on re-rêve. Ils avaient été là. Ramenez la fille et nous effacerons la dette. Oui. Ramenez la fille et nous effaçons la dette. Ça sent mauvais. Merde, il est pas content. Elle fait ça pour sauver Booker. Oh, ce passage. On peut revoir les rêves récupérer Elisabeth. Elisabeth, j'arrive. Peut-être que comme vous pouvez le voir, je sens un peu mauvais. Des éclairs. Je vais t'en prendre à moi. Je te laisserai jamais l'emmener. Encore. Hein? Je te le laisserai pas. Et voilà. On a complètement changé. Et de la neige. En juillet. C'est un peu. Tom. Elisabeth, tu m'entends? N'approchez pas, vous êtes pas. Qu'est-ce qui se passe? Lady Elizabeth Godspeed. Certains hommes rêvent d'amour. Mon père rêvait d'une immense mer de flammes. On nous offre l'Éden et nous le transformons en Sodome. Pourquoi méritons-nous le salut? Dieu donna à Noé un poisson sous forme de déluge, mais il fut moins aimable avec moi. Il dit, prophète,
Je veux que tu apprennes à toute une nation à pêcher des poissons. Alors, on a ici les... Ah oui, même les pacifistes, quoi. Ça pue un peu, là. Je sais pas pourquoi, mais je crois qu'on est encore dans une autre dimension. Où est-ce qu'on est? Qu'est-ce que vous comptez faire de moi? Lucine et Red Whisgaz. Beaucoup de gens meurent. Oh, ah oui. Alors lui, ça s'appelle le Silent Ball. C'est tout cher des ennemis qu'on a aidé. Parce qu'en gros, il contrôle les failles. Et du coup, mon cher Maccabus, c'est bon, revient à la vie. En gros, il a raison. Les joueurs sont très résistants. Et ils ne lootent rien. C'est ça l'inconvénient. Merde, je dois trouver un moyen d'entrer. Bien. Écoutez, je veux juste voir la fille. D'accord, on va voir. C'était qui, c'est... Peu importe, il faut que je trouve le bureau du gardien. Ah, bah, l'ascenseur arrive. Pitié, pitié, où sommes-nous? Je vous en prie, renvoyez-moi dans la... C'est un peu tard, mon enfant. Ton père t'a offert la douceur d'un foyer, et tu l'as détruit. Ce n'est pas lui, mon père. Ah, ça pue. Oula, la tête de Elisabeth, c'est pas très bien. Je suppose que le siphon me tient en laisse. Oui, c'est mon père qui m'a enchaîné. Et quand le moment est venu, je n'ai pas saisi l'occasion de m'affranchir. Que se passerait-il si je me libérais? Seulement pour découvrir que je suis toujours aussi docile. Alors, de quoi il y a un travail possible. Mais par contre, c'est tout un petit peu. Ça pue un peu. J'ai plus du tout de munitions. Ils ont aucun. Il y a un voxophone. Mais de la munition de faucheur, mais ils me donnent pas d'armes. Kinetoscope, qu'est-ce qu'on a? C'est une rage. Ouais. C'était quoi? Merci, Captain Obvious. Tu n'as plus beaucoup de munitions, chercheuse-en. Quand tu crois. Beaucoup de morts, hein. Nos âmes, par essence, sont corrompues par le péché. Certaines sont même si dépravées qu'elles ne trouveront jamais la rédemption. Il faut extirper l'esprit par la racine. Mes enfants ne connaissent ni le blâme, ni la faute, ni le choix. Après tout, quelle valeur accorder à la volonté lorsque l'esprit est réprouvé? Dites, veux-tu prier avec moi? Ils me font mal. Pitié, laissez-moi. Oh, nous
salon de guérir. Ton esprit l'est. Tout ce que je voulais pour toi, c'était que tu réussisses à t'accomplir. Ouais, c'est un gros taré de Carrie Comstock. Donc il m'a fait peur. Je suis le docteur Pettifog, Elisabeth, et je vais m'occuper de toi. N'approchez pas de moi. Toujours aussi rebelle, même après tout ce temps. DeWitt t'a abandonné. Il faut que tu l'oublies, petite. Il va venir. Ah oui, donc là il y a le Silent Ball. Silent Boy. En fait, faut pas qu'il me voit. C'est demain ton opération, tu sais. Il faut manger. Tu espères toujours que DeWitt va débarquer pour te sauver, c'est ça? Ça fait 6 mois. 6 mois? Oui, 6 mois, en effet. C'est pas bon. Il y a encore un Silent Boy, je suppose. Bon, tant pis, on va pas prendre. Je passe une mission. Un homme avait promis de me libérer de Michel. Mais en définitive, il m'a abandonné pour vivre ta vie. Mais dans un temps, je le remercie. Il m'a montré. Ça sent mauvais pour nous. Accordé à notre espèce. Pas de chute pousse. Dieu.
La chute. Assez confiance aux hommes. Nous avons au moins cela en commun. La déception. Ce n'est pas tout. J'ai réussi à faire tout le tour, moi. En vérité, je suis son contact. J'ai même nié être son enfant. Ah, là on s'amuse. Merci messieurs. Déjà, s'il te redonne des armes, c'est que ça peut. Alors, les dégâts affichés par vos armes augmentent pour chaque adversaire tué. Le compteur retombe à 0 après 10 secondes sans victime. Contre. Ah non, non, non. Je garde la vulnérabilité. C'est. Je ne l'ai plus jamais. On va monter par là. C'est pas une fois là-bas. Non. Alors. Donc nous avons le centre du gardien. Ce que j'ai fait est fait. Impossible de revenir en arrière. Je ne peux pas arrêter ce que j'ai déclenché. Mais je peux peut-être l'empêcher de jamais commencer. Il a été mon premier espoir. Je devrais pouvoir descendre et retrouver Elisabeth maintenant. Il est le dernier. C'est peur. Oh, j'ai tellement voulu passer là. Combien de litres de sang vous avez ? J'ai peur de Silent Boy. Alors les mecs, on a du mal. Quand la question qui compte est quand ? Vie, vécu, vivra. Meurt, mort, mourra. Donc, vous pouvez comprendre qu'en fait, nous ne sommes pas dans la bonne temporalité. Les démons ont pris le contrôle de l'asile. Voici notre chère Elisabeth. Ils refusent même de m'écouter à présent. Tout ce que je peux faire, c'est regarder ce que j'ai déclenché. Arriver à sa conclusion. J'ai usé mes dernières forces pour vous amener ici. Donc on est Elisabeth, dans le futur. Je comprends pas. Je t'ai entendu crier, j'étais... J'allais venir te chercher, est-ce qu'on... Tenez. Prenez ma main. Nous avons un autre skin d'Elisabeth. La vieille Elisabeth. Qui a attendu dans l'espoir que Booker vienne la sauver, mais qui n'est jamais venu. Discus, c'est moi un petit peu avec ça. La progéniture du prophète entra sur le trône. C'était le souvenir de Booker. On peut voir Columbia qui attaque au New York. Quel sens de la formule. Vache, ils l'ont tellement bien grippé. Ce n'est pas un endoctrinement. C'est le temps. Le temps finit par tout ranger, Booker.
même l'espoir. J'allais venir. Songbird, il vous arrête toujours. Oui, mais j'aurais réussi. Non, c'est trop tard pour moi. Je vous ai fait venir pour vous, elle et vous. Tenez. Voilà la... l'oiseau ou la cage. La cage, qu'est-ce que c'est pour contrôler l'oiseau. C'est pour elle. Elle saura le déchiffrer. Qu'est-ce que ça dit? C'est un conseil. Un conseil pour quoi? Pour ne pas qu'elle finisse comme... Eh bien, nous voilà. Avec la... Voilà, ça c'est... La musique de début de menu. Et la cage. Avec les mots du prophète. Je suis de retour. 1912. Avant qu'elle... Il est pas trop tard. Elisabeth! On va devoir pour la sauver. Si jamais elle s'énerve, utilisez les machines. Si elle... Comstock! Qu'est-ce que vous lui faites? Laissez-la! Monsieur Dewey, comment dites-vous déjà? À la fois trop tard et trop peu. Quand était dans ces machines d'en haut. Il est où le... On a fait que ça vote, tu vois. Donc en fait, ils sont en train de la torturer pour la contrôler mentalement. Ce n'est pas votre fille. Une tombe. Une cataclysme. Allez, donne-moi les sous. Je vais stopper les machines. J'ai une. Donc là, en fait, avec cette machine, il est en train de pomper son pouvoir, entre guillemets. Si on ne le calme pas et qu'il éteint le deuxième, je ne veux pas de sédatif. En fait, c'est qu'en faisant ça, il lui vole son pouvoir. Parce que là, il y a carrément la boîte comme ça. Alors... Allez. On est devenu fou. C'est beau là, je... le petit combo là de Christo. Méchant. Hop. Donc là, du coup, c'est les nouvelles phases qui viennent d'arriver. Voilà ce qu'elle fait. Elle fait une faille vers une tornade. Regardez. Et du coup, ils sont tous morts. Sauf Ed, évidemment. Elisabeth, j'arrive tout de suite. Ah, du coup, c'est vrai qu'ils font... avec le passif. J'arrive, Elisabeth. Je vais te sauver! Grand slalom! On passe, on passe. Pas, on passe par là. Je suis là, tout va bien. Attends, je vais arranger ça. Ah, ça fait mal ça. T'es prête? Allez-y. C'est parti. J'aurais pu aller un peu plus doucement. Donnez-moi un coup de main. Quelqu'un m'a demandé de te donner ce truc. Qu'est-ce que c'est? Lis-le. Votre vision de New York se réalise. Et c'est moi. C'est moi qui... Elle nous donne un moyen de passer Songbird.
On va trouver un dirigeable et partir. Okay. Paris, Elisabeth. Souviens-toi, nous tu voulais visiter. Ne partons pas. Nous allons trouver Comstock. Pourquoi ? Vous avez vu ce qu'il a fait de moi. Je ne le laisserai pas faire. Et alors quoi ? Tu vas le tuer ? C'est maintenant que vous venez me faire la morale, Booker ? N'oubliez pas que je vous connais. Je ne vais pas te laisser le tuer. Vraiment ? Booker ? Et qu'allez-vous faire pour m'empêcher ? Rien du tout. Parce que je vais m'en charger pour toi. Oui, merci, Elisabeth. Très bien, allons trouver ce prophète. Le zeppelin de Comstock est dehors. Il l'appelle la main du prophète. Comment tu sais ça? Je suis là depuis longtemps. Combien de temps? Suffisamment. Voilà, donc... J'espère que Comstock a eu ce qu'il voulait. Ça s'est réalisé. Parce qu'il n'aura pas le temps d'en profiter. Alors, je crois qu'ici, c'est la dernière amélioration. Donc, faire 9 sur 9. Pile ce qu'il me fallait. La procédure serait d'une aide précieuse pour remédier aux problèmes rencontrés avec la fille. Une fois l'appareil implanté, tout effort de sa part pour modifier l'état des choses se transformerait en choc électrique horriblement douloureux. Pavlov a fait saliver un chien. Nous, nous le ferons couiner. Ouais, donc en fait, à chaque fois qu'elle aurait utilisé ses pouvoirs... On a une serrure à crocheter. Ça devrait être facile. Elle aurait pris des décharges électriques. Et super. Comme elle ne contrôle plus trop bien ses pouvoirs, voilà. Allez, allons tuer Comstock. Tout cela n'a aucun sens. Je comprends absolument tous ces codes, à l'exception de ce symbole. C'est une cage. Est-ce qu'elle a expliqué quoi que ce soit? Non. Et voilà, la main du prophète... Porte de masse, mission. Non. Tenez, de l'argent. Ok. Alors, avec cet argent, je vais quand même améliorer le pistolet, qui pourrait être pas mal. Si jamais je peux faire un pistolet... Bon, c'était le fil de précision et le canon à main. Il est pas mal non plus. Allez. Ah la bagarre. Regardez, c'est la main du prophète. Le vaisseau de Comstock. Nous devons absolument monter à bord. Bouge pas, je m'en occupe. Alors ça, le petit stuff. Alors, protéger quand je prends un kit de soins. Sans contre cristaux, ça c'est bon. Les recharges de boucliers. Et lorsque vous tuez un adversaire, le charge des dégâts disproportionnés. Oui. Soit nous y allons tous les deux, soit j'y vais seul. Dans les deux cas, je dois savoir que c'est fait. Oh, Dewitt, acceptez la prophétie. Arrêtez de vous débattre. Vous êtes la pierre dans la fronde. Admirez toute la beauté du lancer et l'excitation de la descente à mesure que la gravité vous rapproche de l'inévitable. Allez, montons à bord de la main du prophète. C'est quoi ce bruit? Là, cachez-vous! Je t'en prie! Sûrement des éclats? Non, pas des éclats. Ce sont des vérités! Regarde bien, Elisabeth. J'ai construit tout ça pour toi. Tu es mon héritière, mon sang. Et qu'est-ce que Dewitt a fait pour toi? Pour lui, tu ne seras jamais rien de plus qu'un moyen pour arriver à ses fins. C'est parti.
quand même un stockage est pas mal. Hein. Allez, hop, je vais récupérer ma carabine, s'il vous plaît. Bon, bon, il est pas chaud. Allez, c'est de comme ça. Prenez ces munitions. Je me fais pour tout. Allez. Ah non, je suis un peu bas. Ils sont où les derniers mecs? Forcez pas la main. Ils sont là-bas. Mais vous allez mourir. Regardez. Ah, vous allez jusqu'à la main. Ah, oui, bah attends. J'attends que vous là, vu que j'ai fini le combat, je vais aller ouvrir la porte parce que j'ai pas passé la porte. Je me souviens même plus ce qu'il y a. C'est verrouillé. Pas de soucis. Allez, s'il te plaît, ouvre-la. Là, je crois qu'on est à la tribunal. Allez-y. Alors, un cadavre, une porte, un boxophone. Ah oui. Je vais faire un meilleur essor. Mon frère m'a lancé un ultimatum. Si nous ne renvoyons pas la fille d'où nous l'avons fait venir, nous devrons nous séparer. Là où il voit une page blanche, je vois le roi lire. Mais c'est mon frère, alors je dois jouer mon rôle, même si je sais que toute cette histoire finira mal. Voilà, donc, Robert Lutès a demandé à Rosaline Lutès de réparer les erreurs qui étaient d'avoir pris une fille. Ramener la fille, nous passerons la dette. Allez, c'est parti. Attention, nous partons rejoindre la main du prophète. Ouais. Je sais plus si c'est dans la main du prophète. Vous croyez qu'on a la possibilité de racheter tous nos actes? Racheter? Je vois pas trop l'intérêt. Booker, est-ce que vous craignez Dieu? Non. Mais je te crains, toi. Ça fait plaisir. Alors, c'est parti, petit scénario. Là. Regardez, les hommes de Comstock viennent à notre rencontre. C'est l'attaque aérienne. Ouh, moyen pour monter, c'est... Allez, l'accroche. Allez, petit peu l'accroche. En fait, hop, il faut que je switch du canal en fait. Un autre vaisseau sur la gauche. Regardez, la porte, elle attaque le vaisseau. Allô. Donc là, le deuxième vaisseau, mais bon. On est toujours dans le monde où la bourse de Philippe et sa révolte. C'est le moment où ça on voit ici la première dame. En voilà d'autres. J'ai tellement envie de défoncer la voiture. Je m'en martyre pour vous, les mecs. Il est où? Il est où? Et où?
Il est où? Ah, j'ai eu peur. J'ai peur comme ça, lui. Nous devons atterrir et nous battre pour le rejoindre. Ou alors, on peut mettre le cap sur Paris. Vous avez le droit de me laisser là. Ce n'est pas votre problème, Booker. Je ne vais pas t'abandonner. Tu m'étonnes. C'est bien vrai? Vous le jurez? Regardez! Des lignes d'aérotram, partout sur le vaisseau! Elles sont couvertes de capsules pour patriotes motorisés. C'est de là qu'ils doivent sortir. On doit se débarrasser des capsules si on veut approcher. Comstock est au sommet du vaisseau. Allons-y! Hop! Bah non, tu es comme ça. Regarde, D8. Regarde-le! Il y a quelque chose chez lui que tu n'arrives pas à saisir. Tu comprendras bientôt qui je suis et qui il n'est pas. Vous avez besoin de ça! Merci. Je n'ai jamais, mais bon, c'est gentil quand même. Ça suffit. Ils sont où? Polar Bill. Il n'y a pas d'amélioration. Allez, on va prendre l'amélioration de la mitraillette. Faites-le sortir de là. Oui, en fait. En plus, la vôtre attaque aussi. C'est tellement pitié ce truc. Je vais vous écorcher vif. J'ai rien faire du tout. Alors, hop. Ça va faire le ménage. Bien sûr que j'ai vu les premières étincelles qui prépareront la Sodome inférieure à l'arrivée du Seigneur. Mais ce n'est pas moi qui vais mener à bien cette mission. C'est toi qui t'en chargeras, Elisabeth. C'est ta mission. Du coup, on a libéré l'aérotram. La voie est dégagée, Booker. Oh, suis-moi. À la gauche de notre agneau se tient le faux berger. Et à sa droite, les vestiges d'une vaste populée d'hérétiques. Lequel d'entre vous ne sacrifierait pas tout de bon cœur pour la voir accomplir son destin? Réjouissez-vous! Réjouissez-vous! La mort est douce! Ouais, c'est taré. Restez sur vos gardes! Un lance-grenade! C'est taré. Tout ça. Il y a un problème. Pourquoi elles ne vont pas plus vite? J'en sais rien. Oui, ils sont là. Ah oui, c'est un quart de capsules ont été éjectées. Seulement. Booker, attrapez. Elisabeth. Je m'en occupe. Hop. Première lancée de truc. On est à la moitié. Ah oui, ils attaquent de l'autre côté en plus. Allez, vas-y. Là, celle-là. Oui, vas-y, bon. On n'est pas pressé. Ah non, on n'est pas pressé. Allez, c'est Nicole! Allez, c'est Nicole! On a une mission, s'il vous plaît.
Walker, la voie est libre. Donc je veux des munitions. J'ai une précision, c'est pas ce que je veux. Là, c'est fermé. Mitrailleuse, bon bah. Allez. On va changer, on va prendre la mitrailleuse. C'est peut-être moi qui vous terrasse, DeWitt, mais vous n'êtes jamais loin de l'autodestruction. Vous causerez peut-être votre... Allez. Plus qu'un pont. Laisse-moi faire, je vais m'en occuper. Non, je viens avec vous. Ça sent la reine de boss. Oui, ce sont la reine de boss. Celle-là, maintenant. Je m'en occupe. Allez, venez, mec. On va rigoler. Ah oui, c'est vrai, il peut équiper le client. Non, les gars. Maintenant. C'est fait. Allez, bouge. Un soin de sable. C'est parfait. Là, des munitions. Arrêtez-le. Vite, suivez-le. Dégagez-le. Ah, pas au corps à corps. Et lui, c'est un autre de moi. Mais rien d'autre pour le moment. Et on récupère notre plusieurs pompes. Et voilà. Sur ce coup, je vais plutôt prendre la mitraille. Normalement, il a vu l'oreille à fond, je crois. Cet aérotram mène à la cabine du prophète. Vous êtes là pour payer vos dettes, faux bergers. Mais jamais vous ne pourrez trouver la rédemption. Certains péchés ne peuvent être absous. Tu sais que je suis là pour régler une dette. T'aurais pu passer avant. On voit ici comment... C'est ma tour. Donc c'est les événements du prophète. Qu'est-ce que c'est? Le siphon? Ouais, je l'ai vu, là. Je t'entendais chanter, là, au-dessus. Et ta voix a mis la machine en marche. Et dans la tombe de ma mère, il y en avait un plus petit. Il me vidait. C'est pour ça que je ne peux pas... Peux pas quoi? Quand j'étais petite, Elisabeth, je pouvais non seulement ouvrir des failles, mais aussi en créer de nouvelles, qui menaient partout où je voulais. Mais dans la tour... Oui, j'arrive tout de suite. Alors, donc on voit l'événement qu'on a cassé la tour. Battleship B, c'était pour trouver la... La première dame. Ne bouge pas. Les je m'en actions occupe. De Fink. Non, Booker. C'est Elisabeth entre lui et moi. Il essaie de te tendre un piège. Je voilà. N'ai et là, pas du coup, le choix. Nous avons. Approche, mon enfant. Allons, je ne mords pas. Voilà. D'où Jésus, il y avait comme déjà tu as grandi. Qu'elle se coupe les cheveux et tout. Dites-moi. Qu'est-ce que je suis? Père Comstock. Regarde un peu dans quel état hey, tu es. La touchez pas. Elisabeth, tout ce que j'ai fait, c'était pour te protéger. Protéger de quoi? La progéniture du prophète montera sur le trône.
et déchaînera les flammes sur les hommes. Mais l'archange a fait une autre révélation. Méfie-toi, prophète, méfie-toi du faux berger, Booker DeWitt, car il viendra s'interposer avec sa destinée. Pourquoi ? DeWitt, je suis un imbécile. J'ai envoyé des armées contre vous. Je vous ai noyé sous les flammes célestes. J'ai fait tout ça pour vous tenir éloigné, alors que je n'avais qu'à lui dire la vérité. Demande-lui, petite. Demande-lui ce qui est arrivé à ton doigt. Demande à DeWitt. Ne me touchez pas. Demande-lui. C'est votre fille, salopard. Et vous l'avez abandonnée. Ça valait le coup, hein? Vous avez eu ce que vous voulez. Dites-moi. Voilà. C'est terminé. Non, c'est pas terminé. Vous l'enfermez toute sa vie. Vous lui coupez le doigt. Et vous mettez ça sur le dos. Et c'est ainsi que nous tuons Zachary Comstock. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Hein? Dites-moi, qu'est-ce qu'il voulait dire pour mon doigt? J'en sais rien. Je pensais que c'était de naissance, je sais pas. Votre nez. Vous saignez. Hein? Elisabeth, je te le jure, je ne sais absolument pas de quoi il parlait. Si, vous savez. Il faut juste vous en souvenir. Non. Je vais te le prouver. On va détruire le siphon. La réponse est derrière une de tes portes, il te suffit d'ouvrir. Détruire le siphon? C'est la tour tout entière, Booker. Comment voulez-vous qu'on fasse? Je sais pas, mais j'aurais bien une idée en route. Donc on sait ce qui est arrivé au doigt d'Elisabeth, mais on ne s'en souvient plus. Ce qui veut dire que c'est arrivé dans une autre dimension. Et le fait qu'on se saigne du nez. Il y a une serrure. On va bientôt arriver à la fin. Voilà notre petit dirigeable. Et allons cache. Sur Paris. Cache, qu'est-ce que... Bon, et maintenant? Qu'est-ce qu'elle essaie de nous dire? Une cage. Une cage, quelque chose m'échappe. Il disait savoir ce qu'il nous fallait. Booker? Il disait savoir ce qui nous attendait. Booker! Tu l'avais vu venir tout ça, vieux schnock. Et ça, tu l'avais vu, le corbette. On te laissera pas placer ta fille sur le trône. On va l'envoyer dans la tombe. Chanter pour qui? Elisabeth, arrête! C'est pas un mot, Booker! Non! C'est une chanson! Et du coup, elle arrive à contrôler l'oiseau avec un chanson. Chut, tout va bien. Tu vas m'aider. J'ai besoin que tu me protèges, tu es d'accord? Tu veux faire ça pour moi juste une dernière fois, s'il te plaît. Allez! Allez! Allez, allez! Allez! Booker, il va nous aider. Utilisons-le contre cette flamme. Des roquettes! Prudence! Et toi, on va sauver le... Et du coup, Donc vous pouvez désormais contrôler Songbird pour attaquer vos ennemis. Visez en utilisant une cible en surbrillance et maintenez F pour l'attaquer. Plus la cible est grande, plus le temps de recharge est long. Détruis ce vaisseau! Attention, tes vaisseaux! Dans l'espoir, les différents vaisseaux. Et devant vous, je traite! En fait, il faut que je dois éviter qu'il pète le... T'inquiète. Sur la barge. J'ai perdu.
Je te remercie. Oh. Allez. Par là-bas. Il faut que ce truc vienne jusqu'à Monument Island. Sangbird est prêt. De la box. Le zeppelin, vite. Là, c'est peut-être trop dur. Oui. Donne-moi les seins, je les fous, les seins. Voyez. Je n'aime pas ça du tout. Non, peut-être que tu... Voilà pour vous. Super. Je vais te laisser plein de la gauche. Le zeppelin. C'est vrai que tu laisses le zeppelin là. Come on.
comprends pas. Attaque le Zeppelin. C'est sûr qu'il va se tourner un peu. Il est tout seul. Ok, attrapé. Oh là, mais non, c'est bon. Lâche. C'est bon, là, là. C'était chaud. Hein. Et on a terminé Bioshock. Puisque normalement, ici, nous sommes en mode cinématique ensuite. Donc on voit la tour qui est. Booker, par ici. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Juste là. Regardez, vous pouvez utiliser Songbird pour tout détruire. Détruire le siphon. Et c'est ce que tu veux? C'est le seul moyen de connaître la vérité. Pour mon doigt, pour Comstock, pour tout. Doigt. Allez, Elisabeth. Terminons. Détruis-le. Détruis tout. Génial, on va. Sommes où il est? Où il est? Qui est l'endroit où nous commençons le jeu. C'est le champion. Où va mourir. Ce n'est rien. Je suis là. Laisse-toi aller. Très bien. Comme ça. Chargement. Elisabeth. Fond derrière. Je suis désolé. Et en fait, vous pouvez voir ici un Big Daddy qui est également mort, qui est avec une petite sœur, puisqu'en où est-ce qu'on est? Songbird, c'est Elisabeth. Le principe que. C'est un passage. Les Big Daddy. Il y en a d'autres. Il est lié à Elisabeth. Et on peut voir par ici. La petite comment sœur. Comment ça, c'est un passage? Parce que Songbird est où mort. Est-ce que tu vas? Enfin, Big venez. Daddy est mort. Allez, c'est par là. Oui. Ce que Comstock a dit sur ton doigt. Est-ce qu'on a une réponse? Est-ce que c'est par là? Ça fait tellement longtemps. Et c'est là qu'on arrive par ici. On arrive. C'est le chemin sans inverse en fait. Par ici, Booker! Dans le 1, on arrive par ici, on doit monter. Et nous arrivons au bâtiment. C'est là que nous devons aller. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe, Elisabeth? Ça veut dire quoi cet impassage? Je vais vous montrer. Donc. Ça sent les ennuis, tout ça. Là, tout commence. Ah, la musique de Rapture. Et voici la magnifique Rapture que nous reverrons dans les DLC. Une ville au fond de l'océan. Mais c'est absurde. On a bien Columbia qui est une ville dans les airs. Du coup, là, on fait littéralement le chemin inverse que nous faisons dans Bioshock 1 avec Jack. Nous allons donc arriver au phare. Car c'est tellement beau. Regardez, des milliers de portes. Et ouais, c'est pas les étoiles. Tout en même temps. Mon Dieu, failles. C'est magnifique. Quoi, les étoiles? Petite Elisabeth. Allez, venez, c'est par là. Allez. Moment scénario. Nous allons notre petit phare. Tu vas essayer de l'ouvrir? Ça ne marche pas.
C'est pas juste. Je pensais qu'une fois ici, je pourrais tout contrôler. Je pensais... Qu'est-ce que c'est? C'est une clé. Et d'où elle sort? Elle a toujours été là, mais... je ne pouvais pas la voir. Allez, nous allons la pouvoir. Et du coup, nous nous retrouvons ici. Nous voyons plein de phares. Pas des étoiles. Des portes qui mènent où? Elles mènent partout. Il ne nous reste qu'à choisir. Ah, et c'est là le moment que j'adore. D'où ils sortent tous ces phares? Qu'est-ce qu'on fait? Qui? Ce sont des millions de millions de mondes. Tous différents et tous semblables. Des constantes et des variables. Comment? Il y a toujours un phare. Il y a toujours un homme. Et toujours une ville. Comment tu sais tout ça? Je les vois derrière les portes. Vous, moi, Columbia, Songbird. Mais parfois, quelque chose change. Des constantes et des variables. Oui. Des univers parallèles. Regardez. Ouais, il y a Elisabeth là-bas, elle a un petit problème. Pas tout à fait. Le voyage, en fait, on voit, c'est que des bouquins. Pas la destination. Tout commence toujours par un phare. Je ne comprends pas. Ce n'est pas très grave. Ça ne changera rien aux événements. Pourquoi? Bonjour, parce monsieur que Booker. C'est écrit. Bonjour, madame Dewey. Dans le passé, dans le futur. Il y a tellement de choix possibles. Ils nous mènent tous au même endroit. Au commencement. Personne ne me dit où je dois aller. Booker, c'est trop tard pour ça. Allez, avance. On voit, hop, il continue. Le pont qui se forme en dessous. Alors, on va aller où? À gauche? Allez, à gauche. On va prendre la porte là-bas. Vous pouvez voir aussi, pareil. Regardez la balade, ça court. Allez, à droite. Ça, c'est trop cool. On peut voir les différents bookers qui bougent. J'étais là, c'était il y a une vingtaine d'années, juste après Wounded Knee. J'étais à la recherche de... Allez, mon fils, le temps presse. Que faisiez-vous là? Êtes-vous prêt à laisser votre passé derrière vous? Êtes-vous prêt à être purifié? Êtes-vous prêt à renaître une nouvelle foi? Prenez ma main. Non. Non, je veux pas. Mais c'est déjà trop tard, n'est-ce pas? Êtes-vous prêt à renaître? Je suis prêt. Vous repentez-vous? Oui. Regrettez-vous votre cruauté? Oui. Voulez-vous repartir du début, abandonner votre ancienne vie et renaître dans le sang de l'agneau? Oui. Jésus, purifie cet homme. Père, non. Fais-le renaître. Attendez, stop. Seigneur, arrêtez. Qu'est-ce que vous faites? Non. Vite. Laissez-moi. Stop. Vous ne vous êtes pas laissé. Tu crois qu'une simple baignade suffirait à effacer mon passé? Sortons vite d'ici. Les portes dont tu parles, ce sont les failles, pas vrai? Alors ouvre-en une. Ouvre-en une vers Paris, je refuse de rester ici. On doit d'abord trouver Comstock. Comstock est mort. Non. Il était là. Venez. Trouvons Comstock alors. Pour mes dettes. Ramenez la fille. C'est Robert Lutèce. Et nous effaçons la dette. C'est l'homme qui m'a embauché pour te retrouver. Vraiment? Oui. La fille contre la dette. Peut-être que ce n'est pas ramener la fille. Attends. Non, ça va pas. C'est donner la fille. Qu'est-ce que c'est? Il n'y avait pas de bébé. Je m'en souviens. Non, il n'y avait pas de bébé. Et si c'était le cas, jamais j'aurais accepté de le donner à ce type. Booker, c'est le seul moyen de quitter cette pièce. DeWitt, le temps presse. Ramenez la fille et nous effaçons la dette. Du coup, je vais donner mon bébé. Allez-y. Non. Vous pouvez attendre tant que vous voulez. Vous finirez par lui donner ce qu'il veut.
Mais comment tu sais tout ça? Je vois toutes les portes. Et tout ce que cachent ces portes. Et derrière l'une d'entre elles, je le vois, lui. Comstock. On va donner notre... J'ai pas vraiment le choix. Pour effacer nos dettes. La dette est effacée. Comstock a purifié tous vos péchés. Je ne peux pas donner... Ramenez la fille pour effacer vos dettes. Il n'y avait pas de bébé. Le marché, c'était d'aller te chercher à Columbia. Scène du début. Booker, poussez-nous. Non. Je sais très bien ce dont je me souviens. Nous l'avons chamboulé. Et je doute fort que la suite n'arrange son état. Allez. Monsieur et Madame Lutèce. Qu'est-ce qu'on fait ici? Comstock est mort. On n'a plus qu'à reprendre le cours de nos vies. Pas mort. Besoin de... Comme Chen Lin, vous voulez dire? Comme Madame Comstock? Non. Il est en vie dans des millions de millions de mondes. La mort du prophète ne résout pas le problème. Il ne sera résolu que si nous l'empêchons de ne jamais voir le jour. Dernière fille. Ça ne marche plus. Rendez-la-moi. Rendez-la. Tu es folle. C'est comme ça. Rendez-la-moi, sale enfoiré. Sauf que... Non. Non, non, non. Rendez-moi ma fille. Non. Et voilà. Elisabeth est notre fille. Ah non. Et ce n'est pas Elisabeth, c'est Anna. Anna. Non. Non. Je suis désolé. Je suis désolé, Anna. Anna, je suis désolé. Il est parti, Booker. Anna. Ah, vous avez partagé cette pièce avec vos regrets pendant 20 ans. Jusqu'à ce qu'un homme vienne vous voir. Vous offre... une chance de rédemption. Une chance de nous réunir. Donc, Elisabeth et notre fille Anna, que Robert Lutèce est venu chercher pour effacer notre dette, et en fait, elle a ses pouvoirs grâce à son doigt coupé. C'est pour ça qu'elle peut, entre guillemets, voyager entre les dimensions, puisque son doigt est dans une dimension, son corps est dans une autre. Et du coup, Booker, en signe de rédemption, c'est fait marquer au fer rouge les lettres AD. Anna D. Oui. Ça... Oh non, on passe dans une dimension. Nous savons déjà que ça marche. Mais lui, le sait-il? Anna. Anna. Je suis désolé, Anna. Tu penses qu'il s'est marqué au fer rouge en signe de pénitence? Voilà. Mmh. Pourquoi faire? Ce qui est fait est fait. Ce qui est fait sera fait. Mmh. Cette marque est un peu son cilice, comme lui est le nôtre. C'est comme ça qu'on s'alarme cette auberge. Nous effacerons la dette. Ramenez la fille. Et nous effacerons la dette. Ramenez la fille. Nous effacerons la dette. Tu vois, ramenez il commence à reconstruire fille. Son histoire. Nous effacerons. Elle te plaît vraiment, ta théorie. Ramenez hein, la fille, nous effacerons. À en fabriquer de nouveau. Ramenez oui, la fille, le nous cerveau effacerons. S'adapte. Je sais, c'est la première fois, en fait, quand on arrive... On arrive. C'est la première fois qu'on arrive dans ce passage en fait. On n'arrive pas vraiment en bateau. Booker, réveillez-vous. C'est là que tout a commencé. Voilà. Je t'ai vendu. En fait, on arrive sur l'autre côté du port. T'es vendu. À votre décharge, vous avez tenté de faire machine arrière. Et du coup, avec ses souvenirs, il se reconstruit dans ce souvenir qui est ramener la fille et nous effaceront la dette. Tout est de la faute de Comstock. Mais non. Si je revenais en arrière. Que je le tuais avant que tout ça n'arrive. Ça y est, tout se met en place. Mais comment savoir à quelle date remonter? Je vois pas d'autre solution. Remonter à sa naissance et étouffer ce salopard dans son berceau. Et c'est parti. Allez, passons une autre porte. En fait, c'est comme si on était au début du jeu, en fait. On voit comment DeWitt est arrivé dans
dans l'univers pour sauver Elisabeth. C'est vraiment Anna. Ce que vous voulez. J'ai pas le choix. C'est le seul moyen de réparer ce que je t'ai fait. Et voilà. Booker DeWitt, êtes-vous prêt à renaître une nouvelle fois? Pourquoi on est revenu ici? Ce n'est pas le même endroit, Booker. Bien sûr que si, je me souviens. Attends. Êtes-vous prêt à laisser votre passé derrière vous? Et voilà les différents. Qui es-tu? Vous avez refusé, mais pas dans toutes les réalités. Vous avez accepté. Et vous renaissez sous une autre identité. Comme Stark. Il faut qu'on arrête tout ça. Ne jamais commencer. Pas uniquement dans ce monde, mais dans tous nos mondes. L'étouffer au berceau. Purifie cet homme. L'étouffer. Fais-le renaître. Avant qu'il ne choisisse. Avant qu'il ne renaisse. Quel sera votre nom, mon fils? Il est Zachary Comstock. Il est Booker DeWitt. Je suis. Les deux. Et voilà comment se termine BioShock Infinite. Ah, ça fait toujours quelque chose. Avec les notes de musique. Et voilà. Irrational Games. Du coup, pendant le crédit, donc en gros, je vous explique. Booker DeWitt, je pense que vous avez dû comprendre, mais Booker DeWitt et Zachary Comstock. Sauf que Zachary, c'est la version de Booker DeWitt baptisée. Suite à l'utilisation, en fait, donc il est devenu fanatique, etc. Donc il a participé à Houdini, il a participé à la révolte de Pékin, comme il le disait dans le Hall des Héros, sauf sous le nom de Booker DeWitt. On avait trouvé un voxophone qui le disait au début, comme quoi Zachary Comstock, pendant la bataille de Houdini, a dû massacrer des dizaines de femmes amérindiennes pour prouver sa loyauté à l'américaine, puisque Booker DeWitt a du sang amérindien en lui. Donc c'était un petit indice, évidemment. Et voilà, donc Booker DeWitt a vendu sa fille, puisqu'il y avait des dettes d'argent à Zachary Comstock, qui est lui-même Booker DeWitt, d'un autre univers, qui s'est fait baptiser. Suite à l'utilisation de la machine pour voir les différents univers parallèles, ça l'a rendu stérile. Et comme il voulait avoir une progéniture, et ben il a volé son propre enfant, mais d'une version alternative. Et voilà, la fin de BioShock Infinite. Donc un jeu que j'adore, qui fait pas mal réfléchir quand même, enfin, surtout si c'est le principe de monde parallèle, la relation avec Elisabeth Booker, puis le skin d'Elisabeth aussi est vraiment, vraiment pas mal, ils ont vraiment bien bossé. Irrational Game et 2K. Et que dire de plus à part que c'est un très très bon jeu. Je crois que c'était même un GOTY. C'était le GOTY de son année, je crois. Si je dis pas de bêtises. Et voilà. Donc on finit sur la mort de Booker avant qu'il devienne Zachary Comstock. Et du coup, en faisant comme ça, bah, toutes les Elisabeth meurent entre guillemets. Puisque elles n'existeront pas vu que Zachary Comstock ne veut pas les enlever. Et elles resteront normalement avec leur père. Et ça, c'est le. Comment ? La chorale qu'on entend au tout début quand on arrive. Tous les testeurs qui ont testé les bugs du jeu. Du coup, il nous restera. Ce n'est pas fini. Il nous restera Tombeau sous-marin, épisode 1, épisode 2. Donc,
nous retrouverons Booker et Elizabeth, bien évidemment. Et nous serons dans Rapture, et vous comprendrez pourquoi au fur et à mesure de l'histoire. Et du coup, à la fin, on va comprendre également l'origine des toniques de Columbia. Voilà, Motion Capture, Heather Gordon et Courtney Draper pour et donc du coup, je disais, oui, on va comprendre les toniques, le fait que... Donc voilà, Robert Lutès et Rosalie Lutès, j'ai oublié de le préciser. En fait, ce sont la même personne. Ce sont, en fait, les mêmes personnes d'un monde parallèle. Puisque Rosalie, en faisant ses tests, a découvert son alter ego qui faisait également ses tests. Et ils ont décidé de traverser... Robert a décidé de traverser la faille de Rosaline pour la rejoindre. Donc ils sont littéralement la même personne, sauf que c'est vraiment l'autre étalon. Les constantes et les variables, ça change pas. Et c'est pour ça qu'ils ont le pouvoir, en fait, comme ils se sont fait assassiner par Fink, sauf qu'ils se sont fait assassiner avec leur machine allumée. Ils ont déréglé la machine, en fait, et ils se sont retrouvés piégés entre deux mondes dans une des failles. Et du coup, bah, c'est pour ça qu'ils sont, entre guillemets, comme Elizabeth, qui est, on va dire, full power, ils peuvent voyager dans toutes les dimensions, dans le temps, etc. Et bien sûr, Robert, pour réparer, entre guillemets, la boucle, va forcer sa sœur à aider DeWitt pour retrouver la fille et effacer la dette. Quand même pas mal de musique. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Moi, j'adore toujours ce jeu. Ils ont sorti deux DLC plus un troisième entre guillemets DLC, mais c'est plus un mode arène qui s'appelle Carnage Sanglant. Donc c'est pas mal, bon, il faut vraiment aimer les modes arène, quoi. C'est pas le top, mais on va dire le point fort de BioShock Infinite, c'est le scénario. Du coup, les DLC pour ça sont bien tombés. Allez, moi à la famille. Born to Crunch. Ouais, enfin quand même. On va pas... Voilà quoi. Merci maman pour m'avoir payé ma NES. Mes jeunesses. Ah ouais. Comme quoi, un petit jeu peut permettre... Il y en a un qui a fait ça en commande. Make a game for rich. Oh là, le bon vieux langage. My shoes hurt. Cliché, oh la vache. Good like a shot of good shotty. Welcome to your life. There's no turning back. Even while we sleep. C'est pas mal, hein. Emotional game, bah oui. Ah oui, c'est vrai que Touquet Marine, c'est un peu la branche spécifique. Je crois que c'est la branche qui était assignée au développement des BioShock, le petit studio annexe. Ouh, wesh. It's my own remorse. Help me do
treasure. Nothing ever lasts forever. Everybody wants to rule. There's a room where the I can't find you. Holding hands with a woman from the town. Bien. They do want me right behind you. So glad we've all quand même, je pense que le jeu, ça fait quoi? Ça fait 5 ans ou 4 ans qu'il est sorti, voire plus. Il est quand même très très joli pour l'époque. C'est, franchement, il y a des jeux, je crois, qui sont sortis la même année, qui n'étaient pas aussi bon optimisés, enfin, bien optimisés. Après, c'était pas le moteur non plus. Mais... Et vivement qu'ils sortent un nouveau BioShock, j'aimerais trop. Sorte un BioShock 3 ou un BioShock 4, j'en sais rien. Parce qu'on peut dire que BioShock 8 c'est le 3, mais bon. Après, quel. Comment ils vont réussir à amener l'histoire? Parce qu'ils ont fait déjà deux fois Rapture. Rapture, c'est fini. Infinite, c'était autre chose, c'était Columbia avec les voyages temporels, enfin, voyages interdimensionnels. Du coup, qu'est-ce qu'ils peuvent amener les qualités et les défauts, c'est que... Ah oui. This is fine. It's that one. Donc ça, c'est l'actrice. Donc vous avez l'actrice qui joue Elisabeth et l'acteur qui joue DeWitt. Et c'est la chanson qu'on joue à la guitare. Adam Levine. See, but then now it's too short. Now it's one too short. Yeah, because then it goes. What a home. So here, one time. Went back home, Lord. My home was lonesome. All my brothers, sisters cried. What a home so sad and lonely. And then it's missing the next line. That's what I'm saying, like, this is the second, that's the third, that's the fourth, but then... And I don't think that's supposed to say lonely. Probably lonely, isn't it? Lonely. We're supposed to learn. We'll get the actual. Nothing else. Can we run it through this video? C'est Chris Levine, pas Adam Levine. There are loved ones in the glory. Happy gathering,
veux pas se faire strike. Should be like slowed down a little bit since it's the last verse. You can do that. Sounds otherwise, cool, like, well, otherwise it's just like an abrupt ending, right? All right. Well, what I want to do, you guys are really, really, really good. What I want to do is make it 4/8 worse. I want to take the tempo down a little bit if we can, and sort of start by finding, like, Booker, if you could just be sort of like picking away at the beginning first, and then sort of start to play the song, and maybe then you guys kind of find the tempo together a little bit. I want it to feel, you guys are so excellent and professional. No, it won't be like that. I want to make it sound like it's not like, you know, sure, Sheryl Crow and Eric Clapton in a session. So he gets Eric Clapton, I get Sheryl Crow. Joplin, who do you want, Joplin? Rip. Yeah, Joplin. Xtina. Couldn't be good. Britney Spears and Seal. Et voilà. Retournons à l'équipe Aspen. Et du coup, donc là nous sommes le 8 octobre 1893. Anna. Donc voilà, le jour où normalement on doit donner la fille. Anna. Anna. C'est toi. Et voilà. Là c'est fini pour de vrai. Et Bioshock, qui est comme Bioshock 1 et 2, le logo vieillit à vue d'œil. Et voilà, on a fini Bioshock Infinite. Du coup, prochain stream, normalement demain, si je dis pas de bêtises, donc on aura Tombeau sous-marin épisode 1 et Tombeau sous-marin épisode 2. Nous retrouverons Booker et Elisabeth qui seront à Rapture. Touk 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 touk. Et voilà. Donc j'espère que ça vous a plu. Moi j'adore ce jeu, donc j'ai adoré, je kiffe. Ça fait longtemps que je voulais le faire en stream. C'était Draken Survivation Studio. N'hésitez pas à suivre la chaîne sur Twitch, à vous abonner également si ça vous fait plaisir, et ça nous fera plaisir également. Vous pouvez la follow également. N'hésitez pas à suivre Vincent Studio sur nos réseaux sociaux, que ce soit Twitter, Facebook et Instagram également. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée pour ceux qui regarderont la VOD. Vous abonnez à la chaîne YouTube également, j'ai oublié. Donc on poste tous les replays de nos streams, que ce soit Bioshock, Valheim. On avait du Pokémon, pas Pokémon Unite, non, pardon, on a eu Borderlands, ce qu'on avait fait avec Jake. Si vous voulez le planning ou savoir à peu près, vous pouvez nous suivre sur notre Discord, bien évidemment. Vous avez tous les liens dans le chat, tout s'affiche sur l'espace détente. Et sur ce, je vais vous laisser. C'était Draken, cordialement. Bisous.